des chants et de la joie au centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin de Natitengou. Les 290 femmes des 8 groupements de l'association Sourou Bayaye reçoivent du soutien de la part de la fondation Claudine Talon, qui œuvre inlassablement pour l'épanouissement de la femme béninoise, une valeur cardinale de la fondation. L'une des valeurs de la fondation Claudine Talon, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile. Il y a environ 14 mois, en effet, que la présidente de la fondation, lors de son passage à Natitengou, a visité votre unité de production. Ayant vu donc la pénibilité de ces femmes pour le tri, elle a donc décidé de donner un coup de main. Ensemble, avec les représentants de cette association, il a donc été décidé qu'une trieuse optique serait la bienvenue. Elle est là, la trieuse optique moderne, ultra rapide, précise, capacité, 1,5 tonnes par heure. Une machine toute neuve qui changera radicalement les conditions de travail des femmes de Sourou Bayaye. Cette trieuse optique nous permettra non seulement de réduire le temps de travail, de finir avec la pénibilité de travail et d'augmenter le volume de transformation. Je m'en voudrais très sincèrement de ne pas saisir cette opportunité pour remercier à l'occasion la Fondation Claudine Talon pour son œuvre louable qui mérite d'être saluée. Remerciements et salutations de l'acte posé par la Fondation Claudine Talon qui modernise l'activité de ces femmes. La Fondation Claudine Talon, du coup, apporte solution à plusieurs problèmes liés à l'activité de transformation de riz local. Comme le tri est une opération obligatoire avant d'aller au conditionnement, le tri est une opération manuelle. Et c'est avec la fondation qu'elle veut devenir mécanisée. Étant manuel, le tri était très pénible. Étant manuel, le tri exposait le riz transformé à des contaminations pathogènes. Et étant manuel, le riz n'était pas aussi très attractif. Il sera très attractif désormais, le riz étuvé Sourou, produit par les femmes du Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole des femmes, Sisa Natitengou, grâce à la Fondation Claudine Talon, et se vendra donc mieux. Les conditions de vie de ces femmes en seront changées. Le don d'une trieuse optique par la Fondation Claudine Talon, en dehors du fait qu'il améliore les conditions de vie et de travail des bénéficiaires, aura un effet majeur sur toute la région. Ce matériel-là aura un effet structurant sur la filière riz dans la région. Alors, si elles ont ce matériel pour leur faciliter le travail, il va sans dire que ça va leur permettre de gagner un peu plus d'argent et de s'autonomiser davantage. C'est en cela que ce don a une grande portée sociale. Les femmes seront accompagnées techniquement par le groupe d'échange et de recherche pour la promotion de la mutualité et de la micro-entreprise. Permettez-moi de remercier très sincèrement la Fondation Claudine Talon pour ses appuis, parce que ça vient régler un problème qui se posait aux femmes, notamment le tri. Et en tant que structure d'encadrement, nous devons prendre les dispositions pour qu'ils puissent avoir une bonne gestion. Ensuite, l'entretien. Il y a une équipe qui a été formée. Il faut qu'on puisse travailler de concert avec les structures étatiques spécialisées dans le domaine. Parce qu'au niveau de ce pôle, il est important de préciser que la filière est la filière locomotive au niveau du pôle 3. Donc du coup, il y a une attention particulière qui sera portée. Parce que la trieuse ici, c'est pour la première fois qu'on a ça dans le département. Une première dans le département qui permet aux femmes de passer de 50 kg par jour à plus de 6 tonnes le jour. La présidente de la Fondation Claudine Talon espère de son geste aussi un effet démultiplicateur. La présidente souhaiterait que ces femmes fassent un bon usage de cet appareil, une bonne gestion de l'appareil, ce qui va permettre à l'unité de production de devenir une référence dans les départements de la Tacoura et la Donga.
puisque c'est la première trieuse optique de ces deux départements. Va permettre aussi à d'autres femmes, cette trieuse aussi va permettre à d'autres femmes, d'autres groupements, de venir donc trier leur riz ici, ce qu'elles ne pouvaient pas faire au préalable. Une trieuse optique pour les femmes de l'association Sourou Bayaye. Le geste respecte les valeurs de la Fondation Claudine Talon, parmi lesquelles trône en bonne place l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile.